Hello, hello, salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Et voilà, je vous présente mon jardin. La catastrophe après l'hiver, il y en a partout et n'importe où. Et encore là, on avait rangé. Là, on avait rangé, c'est pas encore le bazar total. Alors, l'idée là, c'était juste d'arranger un petit peu l'extérieur pour pouvoir manger dehors, prendre des petits déj à l'extérieur. Voilà, c'est toujours plus agréable. Et ben, rendre ce petit coin plus accueillant, on va dire. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà ma table, mes chaises, voilà, tout ça on garde. J'ai la petite pergola que voici là au-dessus. Donc l'idée, c'était de la couvrir, pas mettre de bâche, ça y est, je veux plus. Donc j'ai hésité avec ces haies là qu'on achète chez Action, ou mettre du canis que j'ai déjà. Mélina, alors cette terrasse, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, du ménage, hein? Elle est moche. Alors, en fait, j'ai essayé ça. C'est beau ça quand même, on fait ça ou pas? Mais ça cache pas trop du soleil. Ou sinon on essaye des canisses? Pour pas acheter ça, on essaye des canisses. Allez, je vais tester. Bon, du coup les amis, j'ai essayé le petit canis là. Et j'aime bien, ça fait une petite ambiance paillotte. Donc je vais mettre ça et puis ça va m'éviter d'acheter cette haie. 3 qui m'ont coûté 45 euros de plus, sachant que j'en avais déjà 3 moi, mais voilà, celle-ci je vais la mettre ailleurs. Et là je vais mettre du canis comme ceci pour faire une petite ambiance paillote. J'en ai plein, regardez tout ce que j'ai là. Ça on me l'a donné, donc voilà, j'ai ça en moins. Et puis c'est pas grave, c'est le temps que ça dure, juste cet été. Après c'est vrai que ça tient pas trop à l'extérieur ce truc là, juste pour cet été. Dans tous les cas, cette pergola, mon mari voulait l'enlever. Et voilà, et moi je voulais la garder. Je voulais la garder encore un peu parce que je l'aime bien. Voilà, j'aime bien avoir un petit coin là pour manger et avoir un truc au-dessus de la tête. Voilà, mais cette année je vais rien mettre, je vais pas mettre de ni voilage ni rien comme je faisais. Je veux juste ça au-dessus, une petite ambiance vacances quoi, voilà. Kitty, tu rentres? Dépêche-toi, elle fait la bagarelle, c'est une vilaine. Tu montes. Allez, et puis là si on regarde bien, normalement on va trouver les petits chats. Coucou maman. Coucou Shiny. Alors les chats ils aiment bien dormir en dessous. Coucou, il est ton frère. Si on se penche bien, normalement il est au fond. Ah, il est là, regardez. Attendez. Coucou Slugi Mamour, petit museau rose. Avec sa petite truffe toute rose, regardez comment il est. Slugi Mamie. C'est bizarre que tu tires la langue comme ça. Il est choqué. Il est choqué. Mamie! C'est la maison des chats ici. Donc voilà, ils aiment bien se cacher là-dessous. Mais je vais quand même mettre les nappes et tout là. Et nettoyer. Allez, direction Action. Ça rime bien. Là, c'est sûr que c'est Action. Quand vous cherchez de la déco, des petites lumières, les LED, tout ce qu'il faut, c'est Action. Hein, cherchez pas à comprendre. Donc voilà, j'ai trouvé ces petites guirlandes lumineuses. Là, j'ai fait un petit tour chez Jiffy, juste pour regarder un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il était beau, ce petit siège. Magnifique. Le prix, il était magnifique aussi. Hein. Franchement, comment c'est cher, c'est abusé. Mais c'était trop beau. Voilà, ou sinon, il y avait tout ce qui est salon extérieur, de jardin, tout ça. Ça donne plein d'idées hein, pour les petites terrasses, les petits balcons. Tout est trop beau. Il faut juste l'argent, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, juste l'argent. Mais sinon, tout est magnifique. Comme on dit chez nous, cool chez Win, il faut le flous. Tout est bon, il faut que l'argent. En plus, tout a augmenté, franchement. Mais bon, franchement, il y a des idées, hein. Tout est magnifique. Voilà, les amis, c'est ce que je disais. Normalement, il fallait que je mette ça par-dessus la pergola. Mais comme j'ai déjà le canis, pourquoi en acheter, quoi? C'est pareil. Franchement, c'est pareil. Mais ça, je vais m'en servir pour le mettre, pour cacher sur mon portail, quoi. Comme ça, on ne voit pas les voisines et tout ça, et elles ne nous voient pas. Alors j'accroche avec ces petits Serflex, les petits riselans là de chez Action. J'ai trouvé des petits comme ceci. Et après je vais venir couper ce qui dépasse. Voilà, et franchement ça tient très très bien. Et je vais faire ça tout le tour. Voilà, du coup je l'ai bien tendu pour bien imaginer si ça me plaît. Et au final c'est très très bien. Je préfère ça que la haie artificielle. Ça fait trop plastique, ça fait trop de verre. Là ça fait une belle petite ambiance. Allez, je continue avec ma voix cassée, les amis. J'étais en mode angine. Mais voilà, je voulais me motiver à ranger ce petit coin.
Allez, du coup, mon mari, à peine arrivé, hop, il continue, il m'aide, obligé. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Et tant mieux. Voilà, franchement, ça cache bien du soleil en plus. Allez, Anne, on est à fond, là, nettoyage de la terrasse avec le souffleur. Ce chêne, il nous salit tout, c'est infernal. Allez, j'ai retrouvé ma petite caisse de mes petites lampions, là, de chez Action. Donc ça aussi, je vais les remettre. Et voilà, regardez. Bon, là, c'était après l'hiver, c'est normal, mais regardez, moi, chez moi, comment c'est. Nous, c'est de la terre. Heureusement qu'on a le souffleur. La terre, des feuilles. Donc, vous imaginez la table en verre noir. C'était toutes les demi-heures, il fallait nettoyer. C'est pas possible. Donc, voilà, c'est pour ça que je veux protéger. Je mets une nappe. Dans tous les cas, voilà. Pour l'instant, le sol n'est pas fait. Ça reste comme ça, mais au moins que ce soit propre, quoi. Et voilà. Regardez. Terminé. Mon mari, il a terminé. Et tant mieux pour moi. Du coup, ben, je vais nettoyer la table. J'ai poussé tous les fauteuils, je vais nettoyer la table et comme ça, je vais pouvoir mettre les nappes. Ah, Michmich, elle ne comprend plus rien, Michmich, parce qu'ils aimaient bien se cacher en dessous. Viens, ma copine. Coucou, elle est douce. Tu viens me voir? Viens me voir, viens. Oui, elle est gentille, Michmich. Tu Michmich, elle est gentille, Michmich. Ah oui, elle est gentille. Allez, je continue. Allez, je retourne dehors du coup. Je me suis mise en pyjama les amis. Ah, je me sens mieux. Du coup, je vais mettre mon double face, vous voyez, celui de l'année dernière là. Je vais mettre mon double face tout autour pour venir coller la nappe parce que je n'aime pas du tout la table comme ça. Ça fait beaucoup beaucoup de traces vu qu'elle est en extérieur. Et dans tous les cas, elle s'est un petit peu abîmée. Donc voilà. Il y a des endroits où il y a de la rouille et tout. Pourtant, j'ai la nappe de protection. Hein. La bâche de protection que j'avais achetée sur Amazon. Mais il y a des fois où on se faisait avoir, on la mettait pas et puis voilà. Et ça l'abîme. Du coup, moi, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon double face tout le tour, là, comme ça. Ça va bien faire tenir la première nappe, vous verrez. Et après, j'aurai une deuxième nappe après par-dessus. Oui, Michmich, qu'est-ce qu'il y a? Tu es d'accord avec moi? Il faut que je me dépêche que de leur remettre les sièges en dessous parce que ils aimaient bien se cacher en dessous, les chats. Michmich? Oui? Dis-le, dis-le. Dis-le que t'es pas contente. Michmich? Michmich? Mamie? Oui, mamie? Oui. Oh, mon bébé. Allez, du coup, je vous montre mon achat chez Jiffy. Donc, j'ai pris cette nappe. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, c'est les couleurs que j'aime bien, moi, pour l'extérieur et l'intérieur. Après, ce qui est bien, c'est une anti-tache. Donc, s'il y a une tache de café et que je veux la laver de suite, ce qui est bien, c'est que voilà, je peux même la laver à l'extérieur avec le robinet que j'ai à l'extérieur. Hop, et elle sèche de suite. Voilà, j'ai fait exprès en fait de prendre cette nappe. Au moins, ça sera celle pour le jardin. Regardez les amis, nous sommes le lendemain, il fait très beau et ça va, ça abrite bien, on verra l'été, hein. Ça cogne vraiment, l'été fait plus chaud, mais ça va, on va être bien là, je vais essuyer la table et c'est tout. Allez, du coup, je vais installer la petite guirlande, le fil de fer, là, comme ça, de chez Action. Voilà, j'en avais déjà une, et puis là, j'en ai pris une pour le petit barreau qu'il y a en face, le petit poteau qui tient la pergola. Donc, l'idée, c'est que moi, le départ, je vais le faire d'en haut. Voilà, la petite petit écran, comme ça, à LED, je vais le mettre au-dessus. Et voilà, et après, je le laisse descendre comme ceci, tout en bas. Allez, du coup, ben, on va baptiser, bien sûr, la table. La nuit, elle commence à tomber, donc je vais vite poser les couverts, les assiettes, le petit sous-assiette en jute, comme ça, obligé pour l'extérieur. Ça, je le laisse pour l'extérieur, voilà. Donc là, j'ai mis dans le petit tagine des petites olives, au moins elles sont protégées. Les petites moustiques, là, elles viennent
C'est posé, j'aime pas trop ça. Et voilà, donc on va rapidement manger avant la tombée de la nuit. Regardez, on a beau nettoyer l'extérieur, et vous voyez le chêne, il a encore fait tomber ses bourgeons là, où je sais pas trop ce qu'il fait à cette période, mais à chaque fois, ça, c'est salissant, c'est pénible. Et voilà, j'ai installé les petites guirlandes de chez Action. Et je vous dis à tout à l'heure après manger pour vous montrer le soir la petite ambiance. Les amis, j'étais en train de me dire, c'est le premier été où je vais voir plein de chats dans mon jardin. Ça va être la première fois en 15 ans qu'on habite ici quand même. Et oui, depuis que Michmich a fait ses bébés, et puis il y a le papa qui rôde, voilà, en tout ça fait 4. Mais c'est bien, j'ai toujours aimé les chats moi de toute façon, donc une maison pleine de chats, c'est une maison pleine de bonheur. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, moi, c'était histoire de vite profiter de notre terrasse. Franchement, j'ai pas ajouté grand-chose. Le but, c'est pas de se ruiner. Puis, je fais plusieurs fois, petit à petit, parce qu'en un jour, je peux pas tout faire. Surtout qu'on n'a pas encore nettoyé la piscine, donc il y a pas mal de choses à faire au niveau de la terrasse. Et voilà, et là, on va pouvoir profiter à manger à l'extérieur, et c'est très agréable. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.